lire la suite du bouquin. La première réalisation importante en ce sens fut en 1955 la première conférence mixte FAO / OMS sur les additifs alimentaires, le conseil du Codex Alimentarius Europaeus était également associé à ses travaux. Il était l'héritier du Codex Alimentarius Austriacus, élaboré au début du XXe siècle dans l'Empire austro-hongrois, qui, bien que dénué d'effets contraignants, constituait une référence pour les tribunaux de ce pays. Dans la deuxième partie des années 1950, l'Autriche avait entrepris, poursuivant cette tradition, de mettre au point un code alimentaire régional sous ce nom de Codex Alimentarius Europaeus. Selon leur site, voici à quoi sert le Codex Alimentarius. Les inquiétudes du public concernant la sécurité sanitaire des aliments placent souvent le Codex au cœur des débats mondiaux. Les médicaments vétérinaires, les pesticides, les additifs alimentaires et la présence de contaminants dans les aliments sont quelques-uns des sujets examinés lors des réunions du Codex. Les normes du Codex sont élaborées à partir de données fournies par des organismes internationaux et indépendants d'évaluation des risques, ou bien dans le cadre de consultations spéciales organisées par le FAO et l'OMS. En 1961, la FAO décida d'instituer une commission du Codex Alimentarius. L'année suivante, une conférence mixte FAO/OMS demande à cette commission de mettre en œuvre un programme sur les normes alimentaires et de créer le Codex Alimentarius. En 1963, suite aux résolutions adoptées par ces organisations, 2 ans auparavant, le Codex Alimentarius était officiellement créé. Le Codex Alimentarius ou Codex Alimentaire est un programme commun de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et de l'Organisation mondiale de la santé OMS, consistant en un recueil de normes, codes d'usage, directives et autres recommandations relatives à la production et à la transformation agroalimentaire qui ont pour objet la sécurité sanitaire des aliments, soit la protection des consommateurs et des travailleurs, des filières alimentaires et la préservation de l'environnement. La commission du Codex Alimentarius en est l'organe exécutif. Cette commission internationale, où siègent les représentants de près de 200 pays, a été créée en 1963 par la FAO et l'OMS. Elle est chargée d'élaborer des normes alimentaires, des définitions et des critères applicables aux aliments, de contribuer à leur harmonisation et donc notamment de faciliter les échanges internationaux. Elle joue un rôle prépondérant dans la normalisation alimentaire mondiale et a été reconnue à ce titre par les accords de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 1994. Sous réserve que ces prescriptions n'entravent pas les échanges si elles ne sont pas suffisamment scientifiquement étayées. Les comités du Codex ont élaboré plus de 240 normes de produits et 41 codes d'usage pour la fabrication ou la transformation des produits alimentaires. Ils ont en outre étudié 3 270 pesticides afin de fixer des limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides dans les aliments. Et ils ont évalué 760 normes pour leur usage et leur contrôle. D'autres travaux ont porté sur les médicaments vétérinaires et leurs résidus. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse, etc. Les normes et les directives du Codex couvrent pratiquement toutes les catégories d'aliments. Si les pays sont théoriquement libres d'adopter ou non les normes, et les directives développées par le Codex, la création de l'Organisation mondiale de la santé OMS le 1er janvier 1995 a fondamentalement modifié leur statut international. Ces normes et directives sont maintenues de plus en plus utilisées par l'OMS comme référence pour résoudre des litiges commerciaux potentiels d'être impliqués dans un litige et d'être déboutés, rend de fait obligatoire l'adoption des normes et directives du Codex, puisque les pays membres de l'OMS n'ont guère d'autre choix que de les appliquer. Outre son travail sur les aliments ordinaires, le Codex définit les normes et les directives applicables aux vitamines, compléments alimentaires, produits issus de l'agriculture biologique, allégations sanitaires, organismes génétiquement modifiés, étiquetage de produits, publicités, additifs, résidus de pesticides,
Les directives sur les compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux ont été adoptées par la commission du Codex Alimentarius comme une nouvelle norme globale pendant sa réunion de juillet 2005 à Rome, en Italie. En juillet 2005, la commission du Codex réunie à Rome a adopté les directives sur les compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux comme une nouvelle norme globale. Rédigée sur la base d'une directive restrictive de l'Union européenne sur les compléments alimentaires, ces directives proposent de définir des limites supérieures pour les dosages de vitamines et de sels minéraux, d'interdire toute allégation présentant les vitamines et les sels minéraux comme capables de prévenir, soulager, traiter ou guérir des maladies. Les directives générales du Codex concernant les allégations adoptées en 1979, puis révisées en 1991, ces directives peuvent être perçues comme la base du problème posé par le Codex. En effet, en définissant des restrictions applicables à des soins naturels, elles visent de fait à garantir que les seuls produits qui peuvent légitimement prétendre prévenir, soulager, traiter et guérir des maladies sont des produits pharmaceutiques. Les produits biologiques sont meilleurs à la santé que les produits conventionnels, puisque leur teneur en micronutriments sont plus élevées. Contrairement aux semences transgéniques, les semences d'origine biologique ne peuvent pas être brevetées. Comme certains leaders de l'industrie pharmaceutique et chimique, incluant Bayer et BASF, sont aussi des leaders de l'industrie des biotechnologies. Il est facile de voir que la popularité croissante des produits d'origine biologique, in-brevetables, constitue une menace grave pour les bénéfices du commerce avec la maladie de l'industrie pharmacochimique. La commission du Codex Alimentarius a adopté ses premières directives et principes pour les aliments génétiquement modifiés, GM ou transgéniques, en 2003. Ces textes ont ensuite été utilisés aux États-Unis, au Canada et en Argentine pour déclencher et gagner un litige commercial intenté par l'OMS contre l'Union européenne, EU, au cours duquel on a fait valoir que l'UE avait appliqué un moratoire sur l'approbation et l'importation de produits contenant des ingrédients transgéniques. Le Codex a créé un comité dédié aux questions de sécurité des additifs alimentaires. L'une de ses principales responsabilités est de déterminer les limites maximales autorisées. L'index Codex des additifs alimentaires liste actuellement environ 300 additifs synthétiques et naturels autorisés dans les denrées alimentaires. Même s'il est exact que certains additifs artificiels ne présentent pas de risque particulier lorsqu'ils sont consommés en petite quantité et séparément les uns des autres, le Codex n'a accordé aucune attention réelle au fait que ces produits chimiques sont consommés ensemble dans des combinaisons diverses. Les maladies causées ou aggravées par la consommation à long terme de pesticides élargissent le marché potentiel des médicaments. Il est intéressant de constater qu'un grand nombre d'additifs artificiels sont fabriqués par les mêmes entreprises pharmaceutiques et chimiques qui souhaitent faire interdire les suppléments vitaminés et forcer les aliments transgéniques dans nos assiettes. Lors de l'ouverture officielle des Nations Unies sur les systèmes alimentaires UNFSS le 23 septembre 2022, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré: La nourriture est la vie, la nourriture est l'espoir. Changer les systèmes alimentaires est non seulement possible, mais nécessaire pour notre planète, pour les gens, pour la prospérité. Chacun doit agir pour transformer la façon dont le monde produit, consomme et pense à la nourriture. Les systèmes alimentaires peuvent et doivent jouer un rôle de premier plan dans la réalisation des objectifs de développement durable du programme 2030, a-t-il déclaré. Le vice-président de la commission du Codex Alimentarius, Steve Wiern, Royaume-Uni, qui a représenté le Codex au pré-sommet de Rome, qui s'est tenu du 26 au 28 juillet 2021, a déclaré: Le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires offre une opportunité sans précédent de changer notre façon de penser sur les systèmes alimentaires, mais nous ne devons pas oublier que sans sécurité alimentaire, il ne peut y avoir de système alimentaire.
OMS, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est une agence spécialisée de l'Organisation des Nations unies, ONU, pour la santé publique créée en 1948. Elle dépend directement du Conseil économique et social des Nations unies et son siège se situe à Prégny, Chambézy, dans le canton de Genève, en Suisse. Selon sa constitution, l'OMS a pour objectif d'amener tous les peuples des États membres et partenaires au niveau de santé le plus élevé possible. La santé étant définie dans ce même document comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Depuis le 1er juillet 2017, le directeur général de l'institution est Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'industrie pharmaceutique a contesté tant la composition de la liste de médicaments essentiels que le principe même de son établissement. Elle la considérait comme un obstacle à l'optimisation des soins médicaux et au progrès. En 1979, l'OMS augmentait la liste à 300 médicaments et ne la préconisait plus que pour le Sud. En 1986, sous l'influence de leurs industries pharmaceutiques, les États-Unis demandent à l'Assemblée mondiale de la santé, AMS, que modifier la politique de l'OMS. Celle-ci devait se limiter à des programmes verticaux de lutte contre les maladies prioritaires. À la suite du refus de l'Assemblée, les États-Unis suspendent le paiement de leurs cotisations, qui représentent 25% du budget. Dans les années 1990, l'OMS est concurrencée par la Banque mondiale. Celle-ci réagit aux critiques concernant les conséquences des ajustements structurels sur la santé des populations. Très vite, les moyens qu'elle déploie pour l'amélioration de la santé se trouve sans commune mesure avec ceux de l'OMS. Le budget de l'OMS est défini pour une période de 2 ans. Depuis 1980, le budget est constitué d'une contribution fixe des États et de contributions volontaires d'organisations publiques ou privées. Les contributions fixes sont des cotisations que verse chaque État membre. Ces dernières années, l'OMS a multiplié les collaborations avec des organisations non étatiques. Elle est actuellement en partenariat avec près de 80 groupes. ONG, industries pharmaceutiques et fondations caritatives telles que la Fondation Bill et Melinda Gates et la Gavi Alliance. Les derniers chiffres disponibles sont ceux de l'année 2018, première année du précédent budget programme biennal 2018-2019. Oh, le second contributeur volontaire et premier contributeur non étatique est la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a apporté 229 millions de dollars américains, soit 211 millions d'euros. Source. www.who.int Finances Accountability Reports. D'autres contributeurs qui questionnent. Bayer AG représente 1 412 602 dollars. Eli Lilly and Company Foundation, UK, 248 726 dollars. Johnson & Johnson Family of Companies Contribution Fund, INC point, 200 000 dollars. Fondation d'entreprise Sanofi Espoir, 232 005 dollars. Novartis, 500 000 dollars. Sanofi Pasteur, 8 100 999 dollars. Sanofi Aventis, 3 932 260 dollars. Banque mondiale World Bank, 20 556 661 dollars. Gavi Alliance, 158 545 964 dollars. Hoffmann La Roche and Company, LTD point 6 624 600 dollars. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, 310 000 dollars. FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, connue sous les sigles ONUAA, ou plus couramment FAO, soit en anglais Food and Agriculture Organization of the United Nations, est une organisation spécialisée du système des Nations Unies
Créé en 1945 à Québec, son siège est à Rome, au Palazzo FAO, depuis 1951. Depuis le 15 juin 2013, le FAO compte 197 membres, soit 194 pays membres, une organisation membre, l'Union européenne, et deux membres associés, les îles Féroé et Tokelau. Source, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La conférence a voté l'adhésion du Brunei, Darussalam, de Singapour et du Soudan du Sud. Archives. Son objectif suprême, affiché, aider à construire un monde libéré de la faim. Sa devise, inscrite sur son logotype, est Fiat Panis, expression latine sur le modèle de l'expression biblique Fiat Lux, signifiant qu'il y ait du pain. Pour aider les pays pauvres et riches à mieux maîtriser leurs ressources et avoir une vision prospective, la FAO offre aux utilisateurs enregistrés depuis le 1er juillet 2010 gratuitement. L'abonnement était autrefois payant. Toutes les statistiques de son service, FAO Stats, la plus vaste base de données mondiale sur l'alimentation, l'agriculture et la faim. Source. Accès libre et gratuit à AFOA Stats, Archives centrales de statistiques de la AFAO, Archives, d'après communiqué FAO du 9 juillet 2010. Voir la page support barre oblique FAQ, Archives, pour plus d'explications sur l'usage de la base de données, puis la page d'utilisateurs enregistrés FAO Stats Archives. Son directeur général actuel est Qiu Dongyu. Le président indépendant du conseil est Khalid Medboub. Non, je vais relire, est Khalid Medboub. En collaboration avec l'OMS, la FAO développe le Codex Alimentarius, système de normalisation internationale en matière alimentaire. Elles administrent conjointement le comité mixte FAO-OMS d'experts des additifs alimentaires, JECFA. Source. JECFA, FAO, fiche d'information. Le JECFA, archive. www.fao.org. FAO, février 2006, page 4. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.